Everyone, c'est Willou Royer. Ah, bienvenue dans encore une belle vidéo de gaming. Woohoo! Alors aujourd'hui, on va jouer à Car Driving. C'est plutôt Extreme Car, mais c'est pas grave. Alors c'est la même affaire de toute manière. Alors c'est parti, startons le jeu. J'ai bien hâte de vous présenter. Alors pour commencer, je vais vous présenter comment ça marche un peu au début de, avant de commencer à jouer au total. Vous pouvez voir qu'une petite voiture jaune. Alors vous avez le choix entre beaucoup de voitures. Mais par contre, celle-là est gratis. Alors, quand vous commencez à jouer, bien, vous l'avez automatique intégré dans votre jeu. Alors, je vais vous montrer d'autres voitures parce que les autres voitures, vous pouvez les acheter comme lui. Et 2 900 $. Ça coûte 2 900 $ pour l'acheter, cette petite belle voiture-là. Vous avez d'autres choses. J'ai acheté la Genie. Alors, ça s'appelle la Genie. C'est peut-être une Lamborghini pour eux autres, je sais pas. Alors, bien sûr, vous avez de l'argent. Vous pouvez accumuler d'argent. Ça c'est facile. Vous gagnez des points. Ça, c'est en gagnant des points que vous gagnez de l'argent. Ça, c'est super. Vous avez d'autres sortes de voitures comme un camion, un pick-up. C'est ça, c'est exactement. Alors, c'est 1 900 $. Ça coûte assez cher. Je sais pas si c'est moi, mais plus en plus tu montes dans les voitures plus loin, le prix monte de plus en plus. Alors, vérifiez tout le temps vos prix au début pour pas perdre trop d'argent en même temps. Comme la Lambo, j'ai peut-être fait une erreur, mais elle était quand même chère. Alors, c'est ça que je voulais, par contre. Mais c'est pas si grave. Alors, j'ai pris ça. Alors, startons. Alors, juste avant de commencer vraiment à jouer, voici trois modes de couleurs. Vous avez le mode vert, le mode orangé ou un peu rouge-orangé, ouais, c'est ça. Et vous avez le mode jaune. Je sais pas trop c'est quoi les modes, mais c'est toujours mieux de prendre. Moi, je trouve que le mode free mode, le mode jaune, est toujours mieux. Alors, c'est parti! Commençons à jouer dès maintenant! Comment ça marche ici, cet écran-là? Vous pouvez voir que vous avez des pitons pour se tasser, comme ça, là, comme ça. Pour tasser à gauche et à droite. Vous avez le piton pour avancer. Et tout. Vous avez le piton pour freiner. Aussi, cette petite bonbonne-là. Là, je viens de foncer dans le mur, mais cette petite bonbonne-là, c'est pour avancer vraiment rapide. Vous avez aussi les petits outils en haut de l'écran, là. En haut du coin de l'écran, là, vous avez les petits outils. Les petits outils servent à réparer ton char qui est vraiment tout décrissé. Et c'est ça. Vous pouvez voir que je me promène un peu partout. Mais là, vous pouvez voir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de cascades qu'on peut faire. Comme là, Oups, on va essayer de sortir de là. Comme il y a plein de pistes, il y a plein de jumps. Il y a genre ça, là, je vais vous montrer ça là, devant nous. Là. Il a commencé le fun, regardez. Là, on va tout tomber dans le vide. On ne tombera pas dans le vide. Alors, je vais juste vous préciser, aujourd'hui, il n'y aura pas de sujet en tant que tel qu'on va parler ensemble. Mais, bien sûr, visiter, essayer plusieurs jumps le plus possible. Je veux pas non plus que ma vidéo dure une quinzaine de minutes. Je veux qu'elle dure pas si longtemps que ça. Mais quand même, on va essayer plusieurs jumps. Regardez, là, il y a un autre jump devant nous. Là. On va essayer. Ouh! Oh non, je l'ai raté! Non! Bon, super. Il y a aussi ça, il y a des petites affaires comme devant nous, là. Vous pouvez voir, là. Allez. Ça nous repousse full vite. Ah oui, il y a une affaire de quille. Là, demandez-vous pas pourquoi je fonce dans partout, là. C'est que ça se conduit tellement, mais tellement mal. C'est l'enfer. Ah, là, je viens d'arriver dans l'affaire de quille. On dirait, genre, un lavato, genre. Un lavato automatique. Mais vraiment, je kiffe. C'est mon jeu que j'aime beaucoup. Je joue souvent à l'école quand j'ai des moments libres. Mais c'est souvent très fun à jouer parce que tu as plein de jumps, tu peux faire des cascades énormes, tu peux faire plein. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux en fait. Thank you.
mais c'est super le fun, t'as plein de jump. Je le dis souvent, mais c'est souvent ça que j'aime beaucoup de ce jeu-là. T'sais, y a beaucoup, tu peux faire ta drift aussi, c'est dans ton goût. Quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de voiture ou de des jeux de genre un peu de cascade, des affaires de même, c'est je le conseillerais. Je vous cacherai pas, je vous conseillerais. C'est super le fun. Tu vois que t'as beaucoup d'affaires à t'amuser pendant un bon moment. Tu sais que c'était moi, j'étais intrigué. Moi, j'étais un gars qui était intrigué par beaucoup d'affaires dans la vie. Hein. J'étais un gars qui est curieux, on pourrait dire. Regarde, devant nous, c'est un canon. Là, on embarque dedans. Non, t'as l'air. Là, j'embarque pas parmi dedans. Bon, on embarque dedans. Regarde, ça nous repousse. Ça nous propulse. T'as beaucoup d'originalité à ton goût et à ton choix. Tu vois pas. Tu vois la différence entre un jeu normal avec une ville puis du monde qui marche puis que y a d'autres voitures à travers de toi. C'est pas. Je dis pas que c'est pas, mais ça, tu peux faire vraiment des belles affaires là. Alors, je pense on va finir cette vidéo sur cette piste-là. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau like, gang, pour m'encourager. Et là, on va tomber! OK! Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, tout le monde! Bye!